俺が全中が最強の男オーブだ。最強の男が生きる軍勢も最強だ。この俺を止める者など天下に存在せぬ。貴様の頭はこの毛布自ら叩き潰す。この毛布軍は無敵である。Bonjour à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène H. Live réaction review, comme d'habitude, du chapitre 811 de Kingdom. Bon, on va pas se mentir, en ce moment, Kingdom, c'est pas un truc de ouf. Hein. C'est sympatoche. Après, il faut aussi avoir le recul nécessaire et se dire que de toute façon, c'est nécessaire pour pouvoir bien enchaîner la suite. Mais pour l'instant... C'est vrai qu'on n'est pas sur l'arc le plus ouf de Kingdom. Alors, je vois les fans de tout s'exciter quand tout prend une ville, évidemment. C'est bien normal, hein, parce que le général tout a pas fait grand-chose pour l'instant dans Kingdom. Ce qui fait que quand il fait un petit truc, tout le monde s'excite. Et c'est bien normal, attention, je suis pas en train de critiquer, bien évidemment. Mais mis à part ça, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Donc, je vous avoue que moi, je prends plaisir à aller titiller gentiment et avec honneur les fans de tout. Parce que sinon, franchement, voilà. Même si, attention, d'un point de vue sous-texte scénaristique et pour la suite dans Kingdom, Ara, il est en train de poser les bases. Donc, c'est normal. Donc, on peut pas dire que c'est mauvais. C'est jamais mauvais, Kingdom. Mais c'est pas folichon, c'est pas folichon, franchement les frérots, on va pas non plus se mentir. Alors, comme d'habitude, like, pouce, etc., commentaire, vous connaissez déjà un petit peu les bails, mais j'ai une petite information à vous donner, les frérots qui kiffent Kingdom, c'est que, comme vous le savez, on a un Discord, hein, normalement vous êtes abonnés au Discord, j'ai tellement répété que ça serait assez incroyable qu'il y ait une personne qui regarde cette vidéo et qui soit pas abonné, ok? Et si vous êtes abonné au Discord, vous êtes au courant qu'on fait des events assez régulièrement. Eh bien, ces events sont enregistrés. Et oui, on les enregistre maintenant, les frérots. Et qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a rec ces events? Eh bien, on les met sur Fumichaud. Et le premier event a été diffusé. Il s'agit d'un Kingdom's Fight, on va dire un combat fictif entre Uzen et Kanki. Et mes frérots se sont mis à la tâche. Et franchement, c'est très qualitatif. Ça dure 2 heures. Donc, c'est vraiment pour les passionnés, les vrais fan de Kingdom, bien évidemment. Et ça dure 2 heures, c'est très intéressant, il y a de l'interaction. Et on va aller plus loin, évidemment, sur le concept. Il y a déjà des débats qui sont prévus, d'autres choses qui sont en plein enregistrement. Donc voilà, donc si vous voulez participer et vous voulez passer sur Fumichaud, les frérots, eh bien, n'hésitez pas, rejoignez le Discord et inscrivez-vous dans les events Kingdomiens, hein, de votre frérot Fumigène. Et vous pourrez participer au débat. Il va y avoir des débats sur tout et n'importe quoi. Mais attention, on ne va pas se contenter que de Kingdom. Et non, même si on parle beaucoup de Kingdom, il y aura des events sur d'autres mangas. One Piece, Dragon Ball, etc. etc. Les frères Obey, parce que les gens sur le Discord, ils sont très polyvalents, sont éclectiques, comme on dit. Et oui, les gars, donc abonnez-vous à Fumichaud, abonnez-vous au Discord si vous voulez participer, on va dire, de façon plus, voilà, plus active à la Fumi Family Story, les gars. Bon, on va lire ce chapitre. C'était un papy qui a essayé de poignarder Shin dans le dos. Hein. Donc là, on voit tout de suite sur la page de garde que Shin claque. Il l'a arrêté. Et le titre du chapitre, c'est la signification d'une lame. Bon, c'est déjà une évidence que Shin ne va rien faire parce qu'on est dans le fait de dire qu'on est des envahisseurs de paix. Donc je sais déjà que Shin ne va rien faire. Regardez, je vais vous faire le chapitre là. Shin ne va rien faire. Ok, il va lui dire, ouais, je comprends et tout, machin, nanani, tu veux me tuer parce que, je sais pas, t'es énervé contre nous pour telle ou telle histoire, hein. Kin a dû faire quelque chose à cet homme-là, on sait pas quand est-ce, mais bon, voilà. Et il va lui dire, ouais, je te comprends, je vais rien te faire, et voilà. Et ils vont tous être choqués que Shin ne va rien faire, et au final, ça va se passer bien, et c'est comme ça que l'unité Ishin
va devenir, on va dire, les meilleurs amis à Nonnu. Voilà, je vous ai fait le chapitre, les frérots. Dites-moi en zone commentaire si je me suis trompé ou pas. J'ai rien lu, hein, j'ai rien lu du tout. Je vous dis, là, je m'assois sur ma chaise, j'allume mon téléphone. C'est ce que je fais. Ceux qui me disent, ouais, tu lis avant. Mais je lis rien du tout avant. J'ai pas le temps, mon gars. Eh oui. Donc, on va voir si je me trompe. Ça se trouve que Shin va prendre son épée. Fait, non, il a pas d'épée, il est désarmé. Mais bref, surtout qu'on va lui passer une arme de n'importe où. Clac, il va retourner le couteau, il va le mettre dans le cou. Non, c'est Shin, on connaît. Ce sont des gentils envahisseurs. Et oui, ils sont là pour la paix, la paix. On arrive avec des Gundao pour la paix. Bon. Hein, Shin, quoi? Onkei. Ah, il s'appelait Onkei, ouais. Onkei, qu'est-ce que tu fous, vieillard? Ah ouais, là, c'est vrai. Ah ouais, il est fou, là. Ah, là. Eh, vieillard, lâche ce poignard, je vais te tuer. N'interférez pas, taisez-vous tous. Hein? Il faut une sacrée détermination pour me viser avec tous ceux qui sont ici. Il faut être résolu à mettre en danger non seulement sa propre vie, mais aussi celle de ceux qui vous entourent. Pourquoi voulez-vous prendre ma vie, vieil homme? Ah, c'est vrai qu'il met en danger tout le monde, lui, hein. Non seulement la sienne, mais aussi celle de tous les gens de Nyonyu, quoi. Alors, qu'est-ce qui va nous sortir? Les soldats de l'armée de Qin ont violé ma fille et ma petite fille à plusieurs reprises. Et à la fin, ils les ont éventrés et les ont sauvagement assassinés. C'était peut-être des mecs de Kanki, ça. C'était peut-être... Ouais, c'est lorsque Mugu, il prenait à lui tout seul Han, ok? C'est vrai que comme lieutenant, il avait Kanki et Uzen. Ah, ça c'est les méthodes de Kanki, hein. Ça, généralement, c'est du Kanki, ça. Mais bon, bref, bon. Donc ouais, bon, comme j'avais dit, hein, il a subi un traumatisme avec Kim. Ma petite fille n'avait que 12 ans. Wouh! Ah ouais, quand même. Ah ouais, c'est... Ouais, donc ouais, c'est vraiment les mecs de Kanki, hein, putain. Attendez, c'était il y a 20 ans. C'est vrai. 20 ans. C'est exact. Il y a 20 ans. Ces 20 dernières années, chaque nuit, je me souviens de ce qu'ils ont fait à ma fille. Je me souviens tous les jours de ce spectacle horrible. Vieillard, je compatis avec toi. Mais ce n'est pas nous qui avons fait ça. Jette ce poignard. Non, pas besoin. Le vieil homme n'a pas tort. Ah, ouais, oui, il va rien faire. C'était logique. Hein. Je vous ai fait tout le chapitre sans le lire. Tu sais, je vais dire en ce moment, Kingdom, c'est pas... Après, c'est peut-être mon Sharingan qui est aiguisé aussi. Hein, bref. Shin, qu'est-ce que tu racontes? Le temps nécessaire à la disparition de la douleur varie d'une personne à l'autre. Une année, 10 ans. Pour ce vieil homme, ce qu'il s'est passé il y a 20 ans, c'est comme si c'était hier. Putain, par contre, j'aime bien Shin, là. Il est mature. Lui dire de l'endurer parce qu'il va entraîner d'autres villageois dans cette histoire est barbare. Certaines personnes peuvent le faire, mais il y a aussi des gens qui ne peuvent même pas l'envisager. La douleur du vieil homme, elle lui appartient. Ok, Shin, si ça avait été Bihei à ta place, il aurait sans doute été tué. Si Bihei avait été tué, qu'aurais-tu dit à sa femme qui l'attend au village? C'est, je dois veiller à ce que cela ne se produise pas. Ah, ça c'est une mauvaise réponse, Shin, je trouve. C'est une mauvaise réponse. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Si tu continues à agir comme ça, quelque chose d'irrémédiable va arriver un jour. User de la force pour réprimer, c'est de la domination. Qin vise à unifier la Chine. Le roi de Qin ne souhaite pas spécialement diriger l'entièreté du pays. Je suis sûr que le roi de Qin veut créer un monde où des tragédies comme celle qui est arrivée à ce vieil homme ne se reproduiront jamais. Ok? Si quelqu'un est un roturier ou un citoyen de Han ou même un natif de Qin, il s'en moque. Il veut créer un monde où tout le monde peut se mélanger, partager les joies et les peines de la vie. Je suis sûr que c'est le genre de monde qu'il veut créer. Pour accomplir cela, nous devons faire des choses difficiles actuellement. En dehors du champ de bataille, les soldats de Qin doivent être attentifs aux autres. Quant à ceux qui portent la douleur, ils doivent continuer à avancer avec leur colère et leur ressentiment. Et c'est probablement quelque chose de bien plus difficile que d'être un soldat. Alors, je ne prendrai pas ce poignard par la force. Ah, ok. Ok, j'attendrai jusqu'à ce que vous soyez libéré de votre douleur. En attendant, vous pouvez essayer de me poignarder autant de fois que vous le souhaitez. Ouais. Je continuerai à vous arrêter pacifiquement. D'accord, donc lui, par la violence, il répond par la bienveillance d'une certaine façon. Donc oui, pourquoi pas. Jusqu'au jour où vous pourrez enfin poser votre lame vous-même. Encore une chose, je sais que c'est dur, mais comprenez-le. Peut-être vous êtes que coincé à cet instant il y a 20 ans et que vous y vivez encore, mais votre fille et votre petite fille ont quitté cet endroit depuis longtemps. Elles ont déjà tourné la page et sont maintenant à vos côtés. Ah, les fameuses lumières. Là, on revoit les deux petites lumières comme... Hashtag, effectivement, ce qui s'était passé dans la discussion avec Eisei et Ryufui. Papa, papy, elle vous encourage et espère que vous continuerez à aller de l'avant. Je sais qu'elle ne voudrait pas que je dise cela, mais j'en suis sûr. Ah,
Et il a déjà lâché le couteau. Ok. Shin lui permet de faire un peu, d'une certaine façon, son deuil. Alors, honnêtement, c'est pas mal que ce soit Shin qui tienne un tel discours. Après, Shin a toujours tenu des bons discours aussi, attention. Mais c'est bien parce que là, on sent vraiment la grandeur du général. C'est rare, ça fait quelques chapitres où franchement, on a un bon Shin. C'est assez rare pour le noter. Eh bien, c'en est assez pour aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Bon, il est temps de nettoyer. Le capitaine est sympa, parfois, grande sœur. Parfois. Ah ben, elle le kiffe. L'incident concernant une tentative d'assassinat de Shin ne s'est jamais propagé. Les villageois présents ce jour-là craignaient d'être punis plus tard. Mais alors, grande surprise et soulagement, cela ne s'est jamais produit. Et à partir de cette époque, voilà, ben voilà. Tout se passe bien, c'est ça? D'une certaine manière, il a semblé que le lien entre l'unité Ishin et les habitants de Nanyu s'était un peu resserré. Voilà, je vous ai fait tout le chapitre, c'est fini là, hein? Quoi de neuf? Oula, avec des yeux bizarres. Eh oui, voilà, bah oui. Non, c'est juste, Garo a peut-être raison, mon raisonnement est encore naïf à bien des égards. Oui, par contre, ta réponse sur Bihei, elle n'était pas bonne. C'est pas ça la réponse en général. Oh, tu le penses aussi? Oui. Puisque nous étions désarmés, n'aurait-il pas fallu vérifier s'il l'était également? Si Bihei avait vraiment été poignardé, la situation aurait été totalement irrécupérable. C'est vrai, eh bah oui. Mais si tu avais fait cela, tes paroles n'auraient pas eu la même résonance auprès des villageois. Résonance? Peut-être un peu. Oui, peut-être. Enfin, je ne sais pas. Quoi? Quand bien même, je suis inquiète pour l'avenir. Si nous unifions le pays par la force, ce genre de choses se produira partout. Oui, c'est clair. Mais c'est pour cela que le général Tu a dit qu'il fallait faire de Nanyu une utopie. Une fois que ce sera fait, nous passerons au château suivant. Puis au suivant. Tu crois que ce sera facile? Non. Je peux te dire une chose. Si la réponse à ce problème se trouvait dans ta tête, tu l'aurais résolu depuis longtemps. Alors ne stresse pas trop. Laisse ça au roi. Tais-toi, je le sais, ça. Tant mieux si tu le sais. Merde! Mais tu étais impressionnant hier. Je suis contente de ce que tu as fait, Shin. Eh oui! Ah là, tu as fait kiffer la petite Kyukai! C'est vrai que franchement, alors moi j'aurais pas utilisé le terme impressionnant, mais il avait du charisme. Il avait du charisme dans son action. C'est même le point, je pense, à vraiment à retenir, parce que là je suppose qu'on est déjà à la fin du chapitre. C'est le point à retenir, c'est vraiment le charisme de Shin pour le coup. Non, c'est juste que ça semble naturel à t'entendre, mon nain. C'est l'heure des entraînements, dépêchez-vous. Ouais, pourquoi vous flirtez tous les deux ici? Allez, on arrive sur les... Ah ouais, les grands, là. Eh, c'est la tribu légendaire Jamu. Ils ont toujours vécu dans un petit village au pied de la montagne. Tous les membres sont très grands. Eh, le chef de l'unité Ishin est petit. Il est si petit. Pourquoi? C'est pas un chef, c'est le capitaine. C'est impossible, c'est un petit capitaine. Allez, gamin. Et là-bas, c'est la tribu Kenba, qui peut commander les chevaux à volonté. Ils disent qu'ils peuvent parler aux chevaux. Ah ouais, carrément, sur le côté et tout, putain. Oups, c'était du langage de cheval. Je suis Bonji, le chef de la tribu Kenba. Enchanté, capitaine. C'est bien ça. Ça commence vraiment à s'étendre. Il commence à vraiment... Ouais. Et là-bas, les guerriers de la tribu Hanmei. Ils viennent de la zone apatride, à l'ouest. Leur aptitude au combat sont les meilleurs. Ah ouais, eux, tu sens, ça rigole pas. Mais c'est trop brutal. Ils se sont battus un nombre incalculable de fois avec les instructeurs de l'unité. Quoi qu'il en soit, ils meurent d'envie de voir les compétences du capitaine depuis quelques jours. Bien, je vais les entraîner personnellement. J'aime bien entendre ça. Capitaine, vous êtes sûr? On peut le faire. Ramenez-vous avec tout ce que vous avez. Capitaine! Oh, terrible. Nous ne pouvons pas nous préoccuper éternellement de Nanyu. Je sais que Nanyu est importante, mais il est primordial que nous survivions et que nous continuions à gagner. La prochaine étape est la capitale royale. Une bataille visant à détruire un état sera sans aucun doute plus intense que tout ce que nous avons connu jusqu'à présent. Oui, c'est pourquoi nous devons profiter de cette période pour entraîner l'unité Ishin avec toute notre force. Capitaine, que se passe-t-il si je vous tue? Si cela se produit, ne serions-nous pas promus? Prends ça! Je vais tous vous forger en acier! Ah ouais, Ishin, à mon avis. Hein? Oh là là, je sens qu'il va les balayer. Bim! Ah ouais! Allez, c'est du shit, ça. Ouais, on sent que c'est du... Voilà, quoi, ouais. Il les a tous balayés d'un coup, comme ça. Putain, c'est lourd. Bon, allez. Tu vas trop loin, Shin. Ça va, les gars? Ouais, ouais, c'est bon. Bon, au moins, vous avez compris, c'est qui le patron, ici. Rassemblez tous les commandants de 100 hommes et plus, ainsi que ceux que je m'apprête à nommer. J'annonce la nouvelle organisation militaire de l'unité Ishin. Ok, ok. Et c'est terminé. Ouais, bon, c'est terminé. Voilà. Bon. Comme je l'avais dit, hein, c'est pas un chapitre folichon. Franchement, c'est pas non plus un truc de fou. Alors, les points à retenir... Dans tout ça, bon, il y a la nouvelle organisation de l'unité Ishin, ça peut être intéressant, effectivement, dans le chapitre 812, mais c'est surtout l'attitude de Shin, effectivement, et ce que Hara est en train de nous dire, c'est que, voilà, c'est bien, il n'occulte pas le fait que envahir par la force comme ça va toujours générer ce genre d'attitude, surtout quand tu as envahi avec Kanki auparavant.
Faut pas oublier ça. Hein. Et Kanki, il y a peut-être d'autres généraux aussi qui sont violents, enfin du moins d'autres soldats qui sont violents aussi. Donc c'est bien, le sous-texte est intéressant, on va pas se mentir, le sous-texte est intéressant. L'attitude de Shin, par contre, vraiment, j'ai fortement apprécié, parce que là, j'ai vraiment senti un discours de général. Bon, c'est toujours Karioten qui fait tout chez lui, évidemment, mais c'est sûr que... Alors, moi, j'irais pas jusqu'à dire qu'il a été impressionnant, il a été éloquent. Il a été éloquent et charismatique, Shin, dans son discours, et surtout, à la violence, il répond par la bienveillance. Il répond, voilà, de façon intelligente. Parce que s'il avait poignardé le vieil homme, c'est terminé. Et Nonnu doit devenir une utopie. Donc il respecte aussi les souhaits du général Tu. D'accord ? Donc tout s'emboîte. Hein. Alors le problème un petit peu actuellement, c'est que j'avoue, le scénario est un petit peu téléphoné. Je suis désolé les frérots, moi il n'y a strictement aucune surprise là-dedans. Donc moi dans Kingdom, d'habitude, je suis surpris. Je suis surpris parce que bah généralement, le déroulement des événements, alors je vais taper dans le mille une ou deux fois, mais je vais me tromper. Là, c'est très 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 simpliste, hein, franchement. Donc... J'attends de voir la suite, franchement. Mais j'avais dit, de toute façon, là, je l'avais prophétisé, que l'arc de Han, c'était pas un arc extraordinaire. Je vous le dis, ça se voit, ça se sent que ça va pas être un truc de fou. C'est pour ça que, bon, les gens s'excitent à droite et à gauche sur les actions des uns et des autres. Mais honnêtement, si tu as lu Kingdom correctement, tu sais que là, tu n'es pas dans la partie la plus haute de Kingdom, la plus ouf, on peut se le dire. C'est assez... correct, c'est correct, voilà, c'est pas mauvais, c'est correct, moyen, sans plus, hein, les frérots. Mais attention, c'est nécessaire, il est obligé de faire ça, Ara. Il est obligé de faire ça, parce que s'il fait en sorte que Kin envahit les états les uns après les autres et il ne nous montre pas les conséquences de ces invasions, on va dire, bah là, il y a un problème dans ton scénario, frère, tu dois nous montrer les conséquences de ton invasion. Et elles sont là, les conséquences, donc elles sont parfois peut-être un peu ennuyantes, mais elles sont nécessaires, c'est comme ça, les frérots. Bon. En tout cas, inutile de prolonger cette vidéo inutilement. Allez sur Fumishow, abonnez-vous évidemment au Discord si vous voulez participer aux discussions avec les frérots sur plein de sujets kingdomiens, mais pas que, parce que comme vous le savez, sur cette chaîne, on ne parle pas que de Kingdom, et oui, on parle aussi de Blue Lock. Et oui, il y a de plus en plus de frérots sur Blue Lock, on kiffe ensemble Blue Lock et Dragon Ball, tout ça. Abonnez-vous les gars, et bah écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter beaucoup d'honneur. Prenez soin de vous, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, prenez soin de vous, et que l'honneur de Shin soit avec vous. Quoi, Baba, Mamma to Taïe ou Magyoko Jurita.